Salut, salut! Est-ce que vous voulez continuer de voir des serveurs être réinstallés à distance, en mode sans les mains? Eh bien, restez ici, c'est sur Another Homepage. Salut à toutes et à tous, je suis Niels, et on va continuer, on va faire notre épisode 2 sur la réinstallation de serveurs Linux à distance. Alors, ça avait été un peu comique la fois dernière, mais on avait réussi, finalement, à lancer non seulement une réinstallation d'une machine existante Linux en lui donnant un noyau et un initramfs d'installeur et en activant, c'est une des fonctionnalités de l'installateur de Fedora, en activant l'installation via VNC. Salut à toi Haribo, j'espère que tu vas bien, j'espère que toutes et tous vous allez bien en tout cas. Alors, est-ce que il y a d'autres personnes qui vont saluer? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout va bien de votre côté? Pas d'augmentation de volume à prévoir? Pas de soucis de ce côté-là? Hop. Pour toi, le son est bon. Parfait. Salut à toi, First Time Chat CMBNGL. Je sais pas trop si une prononciation particulière. Eh bien, merci de me faire l'honneur de ta première participation à un stream. J'espère que tu passeras un bon moment. Alors, je suis en train... Alors, vous voyez rien pour l'instant, c'est normal. Je suis en train d'essayer de récupérer... où est-ce qu'on en était resté? La petite commande magique, parce que bien entendu, je ne l'avais pas conservée. Hop. Donc, pour l'anecdote, je me suis mis sur l'écran que vous ne verrez pas. Je me suis mis dans un VLC la vidéo de la semaine dernière avec avec pause juste sur la commande qui va bien. Salut à toi, Chavenay, j'espère que tu vas bien. Merci pour le petit soundcheck. Hop. Alors, je vous avoue, je suis un peu... On démarre le stream un petit peu en retard, entre guillemets. Pour une raison très bête, il y a eu un petit accident de renversage de verre à moitié plein sur le bureau.
J'espère que... Enfin, a priori, il n'y a pas eu de... Comment dire? Il n'y a pas eu de gros accidents. Sinon, je serais pas en train de streamer. Si jamais il y avait eu des trucs un peu plus graves. Hop. Alors, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Ah bah c'est cool, si tu vas bien. Tant que les gens vont bien, c'est le plus important. Allez, sans plus attendre, on se retrouve sur la machine cible. La voici, la voilà. Je l'ai réinstallée une autre fois supplémentaire, hors stream, pour une raison très simple, et que je vais vous expliquer maintenant. C'est que lorsque j'avais fait l'installation avec, j'ai envie de dire l'installation initiale, avec une bonne vieille clé USB, il se trouvait que j'avais fait une installation plus ou moins presque par défaut, notamment au niveau du partitionnement. Et je crois que c'était Adrien de LinuxTrix qui nous avait qui m'avait indiqué, puisque je trouvais le partitionnement un peu étonnant, qu'une première partition qui était toute petite était là en fait parce que même si la machine démarrait en mode BIOS, Fedora avait partitionné le disque en mode GPT et il y avait une sorte de petite partition au début du disque pour justement rester en mode compatibilité BIOS. Ce qui normalement permet au disque dur de pouvoir être trimballé dans une machine en UEFI only de pouvoir être malgré tout démarré. Salut à toi Tololo, j'espère que tu vas bien. Hop, alors, on va relancer aussi le petit client VNC. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'ailleurs relancer une installation, histoire de démarrer sur des bonnes bases et s'assurer que ce qu'on a vu la semaine dernière est toujours nickel. Oui, tout à fait, Chavenet, on a encore besoin de Grub, je pense. Enfin, je pense que Grub est toujours utile, mais je t'avoue que j'ai pas beaucoup d'expérience en UEFI. Salut à toi, Nabil, bienvenue. Alors, j'avais collé quelque part. Ouais. Install. Ok, allez. Étoile-install. Sur la machine en question. Qui s'appelle ReinstallMe. J'ai été. Franchement, sur le nom de la machine, je me suis pas cassé la tête. Hein. On va jeter un œil. Voilà, dans Slashboot directement. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a juste le noyau et l'initramfs qui ont été. Qui viennent avec le système. Qui viennent avec le système, en gros guillemets. Puisque, comme beaucoup de distributions Linux, Fedora, par défaut, rajoute les dépôts de mise à jour. Et donc, c'est l'installation étant assez fraîche, assez récente, et ben on a le dernier noyau en date disponible chez Fedora. Noyau qui me pose quelques petits soucis sur certaines machines, d'ailleurs, hein, le 6.1. Je sais pas vous. Et je suis en train de rajouter sur cette machine. Hop là. Voilà, donc on a un vmlinux-install que je viens de rajouter, un initrdimg-install. On va aller. Je crois que k-exec n'est pas là. Hein. Si je passe route. Et que on se cherche k-exec. Ah si, il est là, ok. rpm-q alors hop, which k-exec, ok, rpm-qf qui permet donc de savoir dans quel package est un fichier existant.
K-Exact-Tools. Ok. Ben, y a pas de souci, Chavenet. De toute façon, je suis tenté de dire, aujourd'hui, il t'installe une Debian, il te propose des repos, il te propose le repo d'update et forcément, bah, il applique les mises à jour. Donc, sur une Debian, t'aurais juste pas le même noyau, forcément, mais... Mais forcément, sur une Debian stable, à mon avis, tu dois pas encore être en kernel 6. Je suis même pas sûr que les backports ont amené le kernel 6 pour le moment. J'ai pas de Debian sous la main pour vérifier. Alors, on va donc se lancer. J'avais pas fait un petit script que je balançais quelque part. Qu'est-ce que j'en avais fait ? Salut à toi, El Longo de la Vegas. Bah, fichtre alors. Hein. J'ai pas envie de m'embêter à tout recopier. Si, j'avais fait un... Si, je les ai retrouvés. Voilà. Alors. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, on a... Hop. Et on va se mettre ça tout de suite avec l'installation VNC. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le script tout de suite. Comme ça, ce sera plus simple. Et vous le verrez, surtout. C'est surtout ça. Comme ça, vous le verrez à l'écran. Voilà. Alors, je crois que je l'avais mis en mode texte pour vous montrer le mode texte à une époque, à un moment. Ah non, c'était pas le même. Ah oui, c'était pas le même. C'est parce que j'avais essayé sur une VM. C'est pas bon celui-là. Hop. Hop. Allez. Voilà, celui-là. Ah oui, celui-là, il avait un petit souci, c'est qu'on avait oublié les quotes. Donc on va les rajouter tout de suite. On va même faire ça en mode vraiment, on se casse pas la tête. Hop, inst.repo, blablabla. Bla. Tiens, il te demande confirmation RM. Oui, il me demande confirmation puisque par défaut sous Fedora, tu as la commande ls qui est. Enfin, pas la commande ls, la commande rm qui est aliasée en rm-i. Je peux te montrer ça. Voilà. Tu as le cp, le mv et le rm qui sont aliasés sur les versions -i. Et personnellement, ça me va très bien. Comme ça, quand je veux vraiment pas de confirmation, bah, je fais un rm-f. C'est ça. Alors, normalement, on a une manip page. Si je fais un manrm, moins i, voilà. Prompt before every removal. Par contre, ce qui est intéressant, tiens, je le découvre en même temps, c'est qu'il y a un moins i majuscule qui est en mode, il te prompte une fois avant de supprimer plus de 3 fichiers ou de faire un remove récursif. Donc c'est moins intrusif que le petit i, mais ça donne quand même une protection. Et j'imagine que MV doit avoir... Alors MV, il y a juste un petit i. Je vois pas de moins grand i. Ok. Et on avait dit CP. Il y a le petit i. Et ça override une option moins n d'avant. Le moins n, c'est no clobber, ne pas... Ah oui, d'accord, ne pas écrire par-dessus un fichier existant. Et ça override... Ah oui, d'accord, donc si je fais moins n, moins i, c'est le moins i
qui est pris en compte. Et si je fais un moins i moins n, c'est le moins n qui est pris en compte. En premier. Enfin, en principal. Ok, voilà, qui est prioritaire. Merci, Longo de la Vegas. Voli volou. C'est instructif, on apprend des choses, mine de rien. Eh. Même sur les commandes de base. Alors. Et de mémoire, hop. On termine le code ici. C'est ce qui nous avait cassé les pieds pendant tout le stream. C'était l'absence de ces voilà, deux côtes. Je vous résume, deux heures de stream en deux secondes, en deux côtes. Voilà. Très bien. Est-ce que j'ai toujours mon... Ouais, il y a le VNC, il y a toutes les informations qui vont bien, l'IP est bonne, le repo est bon, de toute façon. Hop là. L'interface réseau est bonne aussi. Donc, chmod plus x, slash boot reinstall. On va aller dans slash boot. On va refaire un cat du reinstall.sh. Donc en fait, la raison pour laquelle je fais un petit point .sh, c'est juste pour éviter éviter de me prendre la tête à lancer la commande, éviter les erreurs. Mais je vais quand même récupérer le script. Allez, allons-y, c'est parti, on va lancer le script. Donc, ce qui devrait se passer, c'est que je vais perdre la main sur la machine, puisque, en fait, K-exec va dire, tiens, ton prochain démarrage, tu vas démarrer sur ça comme noyau, et sur ça comme initRD, enfin, sur ça comme noyau, avec toutes ces options-là, et sur ça comme initRD. Et ensuite, eh ben, tu rebootes tout de suite sur le nouveau noyau. Genre, on bypass complètement le bootloader, le chargeur de démarrage grub dont on a parlé tout à l'heure. Donc, normalement, bah, la machine, je vais perdre l'accès SSH. Et c'est logique, c'est voulu, c'est normal. Et ce qu'on va faire, c'est tout de suite, dès que je lance ça, voilà, là j'ai perdu le SSH, c'est plutôt bon signe, on va se mettre tout de suite sur cette vue-là, si jamais elle veut bien. Alors, j'ai essayé de zoomer un peu, j'espère qu'on va voir quelque chose. Parce que ça, en théorie, c'est l'écran de la machine. C'est l'écran de la machine physique, qui, normalement, va redémarrer. Alors, j'ai eu le timeout sur le... sur le SSH. Ah, voilà, ça démarre. Salut à toi, Dino, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Ah oui, de fait, vu que j'ai zoomé, vous avez les lignes de commande un peu longues qui apparaissent sous le chat. Je vais finir par virer la transparence du chat. Pas forcément très utile. Tiens, pendant qu'on est en train de causer de ça... Ah tiens, non, il y a encore un problème. Il part en timeout encore. Ah bah flûte alors. Mince. Ok, merci du tuyau, Chavenet. Donc Debian stable, actuellement vous êtes en 5.10. Ok. Enfin, c'est pas un 5.10.0, ça c'est les releases Debian. Normalement tu dois être sur un 5.10, un truc un peu plus conséquent. Si tu fais un uname moins A, tu vas avoir la release Debian, 5.10.0 tiré quelque chose. Et après tu dois avoir un autre numéro en 5.10 peut-être autre. Mais c'est pas un problème de DNS. Si, c'est un problème de DNS parce qu'on lui a pas donné le DNS.
Ah bah on va lui donner le DNA, c'est pas grave. On va la rebooter la machine. Voilà, 158-2. Ok. Non, ça n'a pas suffi. Il faut peut-être que j'appuie longtemps sur le bouton. Voilà. Allez, tu redémarres. Voilà, il a fait son petit bip, il est content. Donc, vous voyez, c'est vraiment une petite machine juste pour le fun, hein, et un petit... Allez, viens voir par là le clavier. J'ai envie de voir ce qui se passe. Hop, voilà. Oui, parce que j'ai quand même un clavier branché dessus. Hein. Je fais peut-être des réinstallations à distance, mais comme ici en stream, je vais pas me faire allez hop, je réinstalle une machine qui est à 200 km. Non, non, elle est juste à côté. J'ai accès au bouton. Et hop. Allez, c'est reparti. On va se remettre sur cette vue-là. Voilà. Et normalement, l'option, si je me rappelle bien, ça doit être name server. Je l'avais pas sur l'autre d'ailleurs, le script. Alors, qu'est-ce qui me fait clavier ? Ah, maintenant, c'est le clavier qui a décidé de se... Hop. Name server, c'est ça. Voilà, je vais renvoyer le script. Voilà, hop, on va se reconnecter. Tricheur, comment ça tricheur? Ah, je triche parce que la machine est à côté. Oui, oh oui, complètement, mais j'assume, hein, j'assume, je triche. Allons-y. Hop. Et donc, je viens de rajouter le name server. Et ben on est reparti pour un tour. Hein. Voilà. Donc là, hop, perdu. On va se passer tout de suite sur l'autre vue. Et voyons ça ensemble. Toujours un petit moment de, comment dire, de stress. Est-ce que la commande est bonne? Alors déjà, il y a un kernel, il y a un init RD. Maintenant, est-ce que les options sont bonnes? Allez, on y croit. On croise les doigts. On croise les doigts. Je vais pas refaire 2 heures de stream juste sur ce truc de base. Il y a d'autres trucs que je voudrais vous montrer en plus. Ok. J'ai cru voir des messages d'erreur. Ça m'a fait un peu... Ok, là c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Voilà, starting installer. Il prend son temps, mais il y arrive. Voilà. Et normalement, il devrait nous dire, hey, au fait, t'as lancé l'installation via VNC, va regarder sur VNC. Voilà, starting VNC. Paf. Oui, on l'a choisi, on a voulu... Alors on pourrait utiliser VNC sans mot de passe, mais voilà.
Donc, vous voyez, se connecter sur VNC client avec l'IP de la machine, avec un titre de point. Donc, c'est parce qu'on va donc se connecter sur le port 5901 et pas 5900. Donc, hop, je vais vous montrer tout de suite à nouveau sur ceci. Voilà, donc on a... Alors, j'ai pas moyen de zoomer là-dessus. Duplicate, non. Resize the window to fit in a... Nope, c'est pas ça que je voulais, c'était le contraire. Hop. Tu vas te mettre comme ça, et ça c'est toggle full screen mode. Ctrl R plus F. Ah ouais, mais non, c'est pas le full screen mode que je veux moi. Scaled mode, ça me plaît. Voilà, mieux. Comme ça vous avez juste une... Hop, on va pouvoir descendre un petit peu et encore un petit peu, je pense. C'est histoire que vous ayez juste tout le... Voilà, là, normalement, ça devrait être mieux. Ouais, mieux. C'est ça, voilà, Remina. Alors, oui, normalement, je peux choisir... Alors, English, ok. Je vais laisser en English, ok. On va continuer. Alors, je vais laisser le clavier en US. Je me suis rendu compte d'un truc, vu qu'on installe une version serveur de Fedora. Quoique, remarque, là, comme je réinstalle le BNU, je lui ai mis quoi comme repo? Je lui ai mis everything, donc si ça se trouve... Alors remarque, vu que c'est une installation en remote, on va essayer de voir, tiens. Parce qu'en fait, le clavier que j'ai pour ça, que j'utilise en tout cas pour les réinstallations, c'est en fait, c'est ça. Hop, non, je vous montre à l'envers. Mais donc, c'est un clavier Apple bah, en français. Et le mapping Apple français est légèrement différent du mapping Apple... Le mapping Apple français est légèrement différent du mapping français PC. Si je vous compare par exemple avec ce clavier-là, qui est un clavier PC classique, eh ben, il y a quelques petites différences. Genre par exemple, alors les trucs qui m'enquiquinent, c'est le point d'exclamation et le égal qui sont pas aux mêmes endroits. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah, de fait, on a aussi le caractère plus et on a les tirets aussi. Donc c'est un peu la blague. Donc je vais rester sur... Alors j'ai voulu cliquer sur le petit clavier US là. Il ne me propose pas de... Non ? Bon. Allez, on va lui dire enable. Allo SSH root login, de toute façon c'est une machine de test. Vous connaissez le mot de passe que je mets habituellement. Alors pour les nouveaux sur la chaîne, c'est une machine de test et régulièrement, sur toutes les machines que je teste, je mets password comme mot de passe. Voilà. C'est des machines de test, je m'en moque éperdument. Hop. J'ai dit la même chose ou je me suis viandé sur celui-là ? Ah, c'est bon. Par contre, j'ai mes petites habitudes, même si je sais que je vais réinstaller la machine encore. Hop. Voilà. Il veut que je clique deux fois parce que forcément, j'ai mis un mot de passe bidon. On va faire Advanced Custom. Hop. Oh, salut à toi, Cool Geek. C'est pas le clavier, c'est dans un des sous-menus. Ah. Ok. Bon. On verra. Bah, coucou à toi. Quoi ? Même pas un 0 à la place du haut. Premier bouton pour le clavier. Hop. Alors, là, en fait, j'ai déjà un partitionnement existant. Moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais réutiliser les partitions existantes et juste les formater. Pour pas vous embêter, c'est juste pour aller vite, pour faire une première réinstallation. De bout en bout, et je suppose qu'il faut que je clique sur celui-ci. Voilà,
resize format set moon point, et on va faire set moon point. Et celui-là, ce sera slash. Et ensuite, on va formater, s'il veut bien. Alors l'installation comme ça, via VNC, bon, c'est... ça va bien 5 minutes, mais honnêtement, j'en ferai pas tous les jours. Alors forcément, hop, on va le formater en XFS. Label, allez, root, format. Et ensuite, ici, bon, la swap, je vais pas la reformater, hein, pas m'embêter la vie. Label, c'est bon. Ah, si, je vais peut-être la reformater. Ouais, non, même pas. On va revenir sur le disque et on va lui donner, voilà, la partition ici. Set moon point slash boot set moon point, voilà. Puis on va la reformater aussi. Alors non, Cool Geek, pour une raison très très simple, hein, c'est que c'est une machine de test. Si bah, tu vois les manips que je fais là pour deux partitions, honnêtement, si je devais le faire pour 6 ou 7, on serait pas sorti de l'auberge. Alors, je sais que je fais des streams de 2 heures, mais si on peut... je veux pas dire, je veux pas écourter les streams, mais je veux vous montrer des choses intéressantes. Voilà, bon. On va pouvoir faire done. Voilà, oui, j'accepte les changements. Salut à toi, Cool Freeze. Et normalement, il a déjà dû... Hop, allez. Ça, c'est parfait. Je regarde quand même au cas où. Et puis, donc, la source d'installation, on a juste... on a juste la partie de base, on n'a pas les repos... ah si, installer les software updates. Donc en théorie, je pense qu'il les installera. Et... Fedora Server. Donc on peut lui redire, au fait, installe-moi Fedora Server. Donc on va lui dire ça. Et par acquis de conscience, sur une machine serveur, moi je mets etc... Hop, UTC universal, voilà. Et c'est parti, on lance l'installation. Voili, voilou. Alors, pendant que ça s'installe, je vais en profiter pour vous raconter 2-3 bricoles que j'ai rajoutées sur les streams. Vous devriez pouvoir trouver, normalement, pour celles et ceux qui sont des habitués de la chaîne, normalement vous avez des points de chaîne. Vous avez des points de chaîne et alors je les ai, je me suis permis de mettre 2-3 bricoles, notamment une pour me faire pour me faire aller boire un peu d'eau si jamais vous sentez que ma gorge s'assèche, parce que j'ai déjà fini mon thé, et une autre pour arrêter de me faire dire un mot. Donc l'idée, c'est que ensuite, pendant quelques minutes, j'arrête de dire le mot de votre choix. Il y a même des trucs pour que j'arrête de parler pendant un moment. Et donc j'espère que on pourra s'amuser avec ça. Il y en a un que j'ai pas encore mis en place. Je pense que je vais mettre en place d'ici le prochain stream. Mais par contre, il faudra quand même claquer max de points de chaîne pour ça. C'est que donc vous avez... Les habitués savent que le clavier de ma machine est donc un clavier américain, US, et en plus un clavier un peu miniature, 60%. Je vous ai montré un clavier PC AZERTY, un clavier Apple AZERTY. Je pense que je vais rajouter dans les challenges de points de chaîne le fait d'utiliser pendant un certain nombre de minutes un clavier français au lieu du clavier américain. Ça peut être marrant. Donc ça permettra d'avoir un petit peu plus d'interaction avec vous. Et de s'amuser. Donc voilà, c'était le petit... Salut à toi Manon, bienvenue. Alors, on installe Fedora, mais surtout, on installe une Fedora à distance dans un VNC.
C'est là où c'est amusant. Tu attends ton bus dans le froid. Je compatis. Je compatis. J'ai dû attendre aussi un bus dans le froid aujourd'hui et c'était franchement pas agréable. Surtout qu'en plus, je revenais de ma séance de sport. Non, pas dans le VLC. Non, non, pas dans VLC, dans VNC. Mais c'est, le c'était assez drôle à... Ouais, bah tu vois, on t'a tous pris au premier degré, Manon. C'est... Que veux-tu que je te dise? Tu me fais marcher, je cours. Je suis comme ça, moi. Oui, on peut faire plein de trucs. C'est vrai. On peut faire pas mal de choses. Je me rappelle à une époque, j'étais chez. Comment dire? J'avais une connexion internet chez un opérateur assez connu. Et on pouvait, je crois, regarder les chaînes télé de l'offre Triple Play via VLC aussi. On avait la box TV, mais tu pouvais aussi. Je crois qu'il y avait un fichier de playlist à récupérer qui était facile à retrouver. Et on pouvait comme ça regarder regarder la télé via VLC sur son ordinateur. C'est assez marrant. Ça, plus toutes les possibilités de streaming sur un réseau local avec VLC, c'est assez impressionnant. Oui, voilà, le fichier de playlist M3U. Tout à fait. Ah, on peut toujours? Bon, c'est amusant alors. Alors, montage vidéo sur VLC, faudrait que je regarde alors. Je vous avoue que j'ai un gros problème avec le montage vidéo en ce moment. Puisque je cherche bien entendu à faire le montage sous Linux. Faut être accroché. Ah ouais. Et en fait, j'ai. Enfin, à chaque fois que j'essaye un logiciel, il y a toujours un truc que je trouve rédhibitoire. Non, non, c'est pas du Final Cut Pro ou du Premiere, ouais. Mais en gros, jusqu'à maintenant, un certain nombre de logiciels que j'ai essayé sous Linux pour faire du montage vidéo, à chaque fois, il y avait un truc qui m'énervait. Mais je ne suis pas un pro du montage vidéo, alors. Alors peut-être qu'il y a moi aussi qui cherche les ennuis. Alors, pendant ce temps. Fait le montage avec FFmpeg. Alors déjà, salut à toi Fred, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Ouais, alors faire le montage avec FFmpeg, ce serait peut-être un peu hardcore. Un peu trop hardcore. Non, globalement, la plupart des outils sont de qualité. Hein, on va pas se mentir. Dans les trucs que j'ai essayé aujourd'hui, dans les outils libres, hein, en tout cas sous Linux, j'ai essayé notamment Blender et j'ai essayé, mince, c'est quoi l'autre nom? FlowBlade. J'ai essayé ces deux-là et quand on met Blender en mode montage vidéo et quand on utilise FlowBlade, par rapport à un Adobe Premiere par exemple, ça reste. Je dis pas que les menus sont identiques, hein, mais on est sur un logiciel de montage vidéo non linéaire. Donc à partir de là, c'est globalement comment dire, les trucs de base se retrouvent. Par contre, le truc rédhibitoire que j'ai eu sur Blender, c'est qu'en termes de nombre de pistes son, il n'en détecte qu'une. Et moi j'en ai plusieurs, puisque sur le stream que vous voyez, en fait, il y a une piste pour la musique et il y a une piste pour ma voix. Et je me demande s'il n'y a pas une troisième piste, notamment pour le son du bureau. Bah, c'est la piste de la musique, en fait. Alors, merci beaucoup pour le follow. Alors, j'ai pas vu le nom du follower. Hop, hop, Cisjo, merci à toi pour le follow. Hop, où est passé le Rémina? Hop, il est là.
Et donc, le... Ah, le ne me fait pas rire, le non linéaire, c'est qu'en fait tu peux prendre des morceaux qui sont à un moment dans la vidéo et les mettre avant ou les mettre après. C'est ça le principe. C'est que tu te retrouves avec des pistes qui sont tu peux faire la fin avant le début si ça t'amuse. C'est le principe, je crois. Alors j'enregistre mon stream, après je le diffuse dans VNC, et ensuite je le mets en plein écran, j'enregistre mon écran avec un logiciel de capture, et je mets pause quand j'ai besoin. Et tes besoins de montage de Haribo sont largement satisfaits par KDN Live. Alors, justement je vais y venir. En gros, voilà, Blender m'embête à cause du nombre de pistes son qu'il supporte, enfin qu'il prend en charge. Alors je pourrais, sur mes rushs, sortir les pistes audio et les mettre dans des fichiers séparés que je peux ensuite importer, mais ça me casse les pieds. Flowblade en fait ne tire pas parti de ma carte graphique, donc il fait les rendus en CPU only, mais à part ça il fait le job, donc c'est un peu dommage. Je sais pas exactement comment est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'il prenne en compte la carte graphique. En théorie il est censé le faire, mais dans les faits la carte graphique elle se tourne les pouces pendant qu'il fait ses rendus. Un peu dommage. Et donc, l'outil libre que je veux prendre le temps de tester à l'occasion, ce sera effectivement KDN Live, qui a l'air de cocher lui aussi toutes les cases. Pas de soucis, Xavier, merci. Oh, merci, Xavier, pour ton sub. 15 mois déjà. Merci pour ton soutien, Xavier. Merci infiniment. Il n'y a pas de soucis si tu ne fais que passer. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris la peine de passer. Et de ton soutien continu. Merci, merci. Alors, c'était quoi l'idée de Cool Geek ? Ah oui, il a dump la vidéo et image, mais montage avec Image Magic, ouais. C'est c'est un peu hardcore ça aussi. Donc voilà où j'en suis. Et j'avais même essayé, c'est pour vous dire, j'avais essayé un des logiciels phares de montage commerciaux, qui est DaVinci Resolve, qui est dispo sous Linux, en plus de Mac et Windows, et qui, pour l'anecdote, est aussi... comment dire, il a une version gratuite. Alors, il est payant, dans l'absolu, donc si on veut débloquer toutes les fonctionnalités, il est payant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que c'est en termes de format... Je sais plus si c'est le format audio ou le format des vidéos que j'enregistre dans mes streams. En gros, il ne le prend pas en charge sous Linux. Il le prend en charge gratuitement que sous macOS. Parce que mes vidéos, je les enregistre en MP4 pour éviter, je crois, c'est pour éviter les crashs. Si j'en fais des crashs avec OBS. Si on les met en MKV par exemple, je peux perdre la vidéo complètement, ce qui m'embête un peu. Donc, je crois qu'il y a aussi une différence de taille. Mais toujours est-il que, en fait, faudrait dans ce cas-là que je me prenne un Mac un peu puissant, ce que je n'ai pas aujourd'hui. Et voilà. Mais en dehors de ça, honnêtement. Comme je vous ai dit, hein, Blender, Flowblade ou DaVinci Resolve sont plutôt fonctionnels, sous Linux en plus. Hop. En fait, techniquement, Manon, j'ai trois Macs à la maison, sauf qu'ils datent respectivement de 2007, 2012 et 2012. Donc ce sont des machines qui sont, on peut le dire, obsolètes. Y en a une qui ne sert même plus. Une autre qui fait mon retour vidéo, vous en avez vu deux de ces trois Macs. C'est lorsque j'ai fait les streams précédents où j'ai refait les pattes thermiques. Et de toute façon, les machines sont sous Linux. Hein. Alors je sais que je peux mettre un disque et mettre macOS dessus, ce qui est le cas pour l'une d'entre elles. Alors outre le fait que j'ai un peu cassé l'installation de macOS. Honnêtement, je pense que si j'installe DaVinci Resolve, et d'ailleurs je l'avais fait et j'ai voulu essayer, et en fait c'est juste pas possible. La puce graphique est tellement vieille, DaVinci Resolve il fait non mais c'est quoi cette antiquité là,
Tu veux me faire travailler avec ça? Mais t'es fou! Bref. On est bien sous Linux, et il faudra que j'ai envie de dire, la morale de cette histoire, c'est que Blender, c'est bien, mais j'ai des soucis. Et il faut que j'essaye qu'elle vienne live. Un arme me ferait gagner du temps. Ah bah oui, te gèle pas les doigts, Manon. Te gèle pas les doigts. Il n'y a pas de souci, je comprends. Alors, un Mac ARM, ils ont l'air très chouettes. Ils ont l'air très chouettes. Mais honnêtement, j'en ai pas envie. J'en ai pas envie d'un Mac M1 ou M2. Parce qu'en fait... Alors, c'est même pas une question de prix, parce que, à un moment... Enfin, je veux dire, j'ai acheté 9... deux Mac sur les trois que j'ai, même si je les ai achetés en refurbish, je les ai payés, je vais pas dire plein pot, mais presque. S'il faut à un moment que je paye cher une machine entre guillemets puissante, si j'arrive à le justifier et que je peux me le permettre, je le ferai. Ce qui m'embête aujourd'hui, le gros problème que j'ai avec les machines Apple Silicon, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas réparables. Elles ne le sont pas. Il n'y a même pas à chercher à comprendre. L'environnement fermé, bon, macOS, j'ai envie de dire, macOS est un Unix, on arrive quand même à faire pas mal de choses. Donc bon, c'est pas, mais franchement, là, c'est vraiment la réparation. Enfin voilà, mes Mac de 2012, vous les avez vus, hein. J'ai enlevé les lecteurs optiques. Alors vous me direz maintenant, il y en a plus, ça résout le problème entre guillemets. J'ai remplacé les disques d'origine par des SSD bien plus rapides. J'ai rajouté de la mémoire vive. Les machines aujourd'hui, elles ont plus de 10 ans et elles servent encore et elles servent encore bien pour même faire de la virtualisation. C'est pour vous dire. J'arrive à faire les TP. Les TP pour les cours que je donne. Les cours que je donne dans une école. Ah, ça y est, il a rebooté. 6.212. On va voir quand est-ce qu'il réapparaît sur le réseau. Et normalement, quand je vais me connecter en SSH, il va me dire, au fait, la clé a changé. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, réparer un Mac, c'est un vrai parcours du combattant. Je regardais encore aujourd'hui les vidéos d'un YouTuber qui s'appelle Luc Miani, qui est un YouTuber spécialisé sur les environnements Apple. Et il a fait 2-3 tests ces dernières, j'ai envie de dire, ces derniers mois et années. Sur notamment vérifier, alors c'est pas le cœur de sa chaîne, mais il a voulu vérifier notamment la réparabilité des derniers MacBook Pro. Et en fait c'est fou, hein. Si on n'a pas les pièces détachées d'origine, c'est mort. C'est mort. Visiblement je prêche une convertie. Donc voilà, il me dit, au fait, c'est bien gentil, mais là t'essayes de faire un truc pas top. Alors on utilise ssh-keygen-r et on lui dit reinstall me. Hop, non, ah oui. Donc l'adresse IP, voilà. Et là maintenant, si je fais ssh-reinstall me, il me demande et il me dit, au fait, maintenant le mot de passe. Voilà. Parfait. Et là, j'ai donc ma machine qui est réinstallée. Donc ça c'est sympa. Ça c'est sympa, on est plutôt cool. Maintenant, on va essayer d'aller un cran plus loin. Mais avant, Manon, ah oui, le bon vieux MacBook Pro 2012, bah oui, je suis assez d'accord, c'est top et c'est toujours top. Tu avais cassé des vis et pété un truc avec une chute, t'avais trouvé des revendeurs de pièces détachées. Ouais, ça y est, la machine est fraîche. On peut même le vérifier, en fait. Moins I, hop. Tac.
si on fait un ls-hl de slash route, on voit que le Anaconda KS, alors la date, bien entendu, elle a une heure de retard, hein, il est 19h02. Et là, le truc indique 17h58. Donc voilà, le fichier d'information sur l'installation. D'ailleurs, truc pratique, hein, si vous avez une Red Hat ou une Fedora sous la main, vous pouvez voir les paramètres, quelques paramètres de base de l'installation, en allant justement récupérer le fichier anaconda-ks.cfg dans le répertoire home de route. Et donc, on retrouve toutes mes informations. Il y a juste un truc que je veux vérifier. Ah voilà, on est en kernel 6.07, on n'est pas en kernel 6.1, donc il n'a pas pris les updates. Puisque forcément, il n'avait pas le repo de configuré. Donc voilà, là on a déjà une différence. C'est que j'avais une machine qui était full up to date. Là, ce n'est pas une machine full up to date. Donc, ce que justement je voudrais vous montrer, c'est pour ça aussi d'ailleurs que lors des différentes installations, j'avais conservé le fichier anaconda-ks.cfg, c'est que on a réussi à déclencher l'installation à distance. On va essayer d'aller un cran plus loin et on va essayer de faire en sorte que cette installation soit un peu automatisée. Parce que, rappelez-vous, je vais me déconnecter de la machine, download reinstall.sh. Donc je vous montre, ça c'est la petite commande qu'on avait lancée. Eh bien, la petite commande qu'on avait lancée, il y a pas mal d'options. Donc on peut lui dire, au fait, va chercher un kickstart. Après tout. Donc on peut le faire. Alors, Anaconda, c'est l'installeur de Fedora. C'est l'équivalent du Debian Installer, mais pour Fedora. Et donc, kickstart, c'est le format d'automatisation pour pouvoir automatiser une installation Fedora, CentOS, RHEL et compatible. Il va me falloir un serveur HTTP. Est-ce que j'ai un serveur HTTP quelque part sur le réseau? Je crois que oui. Je crois qu'en plus j'avais déjà fait ce genre de choses là. Alors je regarde 2-3 trucs. Est-ce que j'avais pas déjà mis des kickstarts quelque part par ici? Faut toujours avoir un serveur web sur son réseau, c'est super pratique. Hein. Si, ça y est, ok. Donc, voilà. Parfait. Alors, par contre, je vais avoir besoin de faire une pause. Vous restez dans le coin, je vais être très rapide, je vous dis à tout de suite.
Hop, et me revoilà. Alors, on en était à, je voulais rendre disponible sur le réseau un Kickstart, un fichier Kickstart. Et ce que je vais faire, c'est, on va pas s'embêter, on va faire un TMUX ici. Hop, on va mettre en mode route, voilà. Et j'ai dit SRV public. Alors, hop. Donc, point slash, et on va l'appeler reinstallme.cfg. Voilà, donc ça, c'est. Oh, bah. Je me suis mis en mode caméra en grand et donc vous n'avez rien vu, c'est pas grave. Hop, on se met comme ça. Voilà. Donc là, j'ai directement sur le serveur web de destination, le Kickstart. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je l'ai peut-être pas. Je me mets 0644, on va faire ça, reinstallme.cfg. Voilà, et. C'est pas grave Manon. En gros, c'est juste que j'ai un serveur web, un petit Nginx qui traîne sur mon réseau. Je viens de me connecter en SSH dessus. Et je VI directement le fichier depuis le serveur web. Et on va faire quelques petites modifs. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans les packages. Je vais rajouter htop, lsof, je vais m'assurer que rsync y est, même si à mon avis rsync y est déjà. Le partitionnement est bon. La time zone m'embête un peu. Alors, la time zone, on met ETC, UTC. Hop. On met ETC slash UTC. Comme ça. Ça, c'est bon. Bon, le mot de passe route et l'utilisateur, ça, c'est pas très grave. Run the setup agent on first boot. Non, surtout pas. Hop, disable. Voilà. Et. Ouais, alors non, graphical, on va mettre texte. On va mettre texte. Alors pourquoi est-ce que je vais mettre texte? Pour plusieurs raisons, parce que d'une part c'est un peu plus rapide, et d'autre part j'ai l'impression que cette machine elle a un peu du mal avec les trucs graphiques. Donc dans le doute je préfère qu'elle reste en mode texte. Ce qu'on n'a pas là-dessus non plus, que je ne vois pas dans les trucs qui sont configurés, ce sont les dépôts. Les dépôts de paquets ne sont pas indiqués. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter. Je vais faire pire que ça, je vais le copier-coller. Sauf que je les ai en version 36 sous la main. J'ai juste à enlever le 36 et à mettre le 37. Hop. Voilà, comme ça au moins, on sera avec les repos à jour. Bon, on a fait quelques customisations, je ne vais pas en faire plus parce que le but c'est pas de vous montrer Kickstart. Je dis que je voulais le garder ici sous la main. Mais surtout, je voulais vérifier l'adresse IP de la machine 626. Ok, donc si je me mets avec ça sous la main
et que je fais http://192.168.168.6.26/reinstall.cfg, il me l'a téléchargé. Ok, nickel. Parfait. Hop. Donc ça, c'est bon. Maintenant. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est SSH reinstall.me. Voilà. Voilà. Et on va remettre le script de réinstallation et les deux éléments qui sont le noyau et l'initramfs. Alors je les copie en SCP depuis un autre emplacement. Je ne vous montre pas à l'écran, hein, ce n'est pas forcément très intéressant. Et on va copier aussi le script. Voilà. Et là maintenant, on a donc notre reinstall.sh qu'il va falloir que je mette en. Et on a notre initrd et notre vmlinux d'install. Ok. Bon, chmod, j'ai dit chmod plus x reinstall.sh, vi reinstall.sh. Et on va rajouter donc, on a le inst.repo, à la limite le inst.repo, maintenant, on n'en a plus besoin. Parce que le repo est de toute façon indiqué dans le Kickstart. Donc je vais l'enlever. Je pourrais même enlever le inst.lang d'ailleurs. Et la partie VNC. Ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Et là, je lui dis inst.ks égale http. 2.// et je mets l'IP de mon kickstart slash, donc on a dit reinstall.cfg. On va revérifier quand même le nom du fichier. C'est bien reinstall.cfg sans tiret. Donc là on est bon. On est bon. Ce qu'on peut faire ici, c'est quitter t-f srv3w catchall logs access.log et je vais dire tail-1. Donc là, on a le get de reinstall.me de tout à l'heure, de mon test. Mon test tout à l'heure de vérification que le fichier se télécharge bien. Et là, j'ai donc mon script qui va me permettre normalement de réinstaller la machine en mode sans les mains. Mais il n'y a plus qu'à en fait. Hein. Il n'y a plus qu'à. Allons-y, c'est parti. On lance le script de réinstallation. Voilà, donc là je perds la main puisque le script fait rebooter la machine d'un coup. Et on va peut-être justement regarder sur la carte de capture si on a quelque chose. Bon, donc la bonne nouvelle, la machine redémarre. Enfin, en tout cas, elle boot sur le nouveau noyau. Salut à toi Nebed. Tu t'appelles, je ne vois pas les raids. Ah bon, il y a eu un raid? Non. Il y a eu un raid. Comment ça il y a eu un raid? J'ai pas vu la notif. C'est même pas indiqué dans le bignou là. Raid start. Non. Je vois pas de raid de. Salut à toi, SMN.
Seman, pardon. J'espère que tu vas bien. Ah non, oui, c'est vrai que c'est moi qui t'avais raid l'autre jour et que tu avais pas vu, oui. Mais j'ai eu peur l'espace d'un instant, j'ai cru que c'est moi qui l'avais pas vu. Le raid 5, ah, pas mal, bien vu Manon. Bien vu Manon. Alors, il démarre l'installeur, c'est plutôt bon signe. Alors, la question c'est est-ce qu'il va m'insulter? Ça me rappelle des souvenirs, le topic de ce soir. Ah bah n'hésite pas à nous raconter si jamais tu en as l'envie et le courage. Voilà, c'est une installation automatisée, donc normalement, on va voir le truc se passer en mode texte. Fail to save. Comment ça, fail to save? Unable to allocate. Ah, je crois que j'ai oublié un truc. Je crois que j'ai oublié de lui dire wipe le disque. Je crois que j'ai oublié de lui dire de wiper le disque. Ok. Ça fonctionne pas toujours du premier coup. Donc là, il devrait me dire, au fait, l'installation, je vais pas la... Alors, pour la petite anecdote, on va switcher tout de suite de... un instant, on va switcher de vue, et vous pouvez voir qu'ici, il y a un petit curl qui s'est lancé depuis l'adresse IP de la machine que je cherche à réinstaller. C'est bien, je pensais que Anaconda avait son propre user agent, mais ok, il utilise celui de curl. Mais donc, il a bien téléchargé le Kickstart et il essaye de l'appliquer. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre comme message d'erreur pendant ce temps-là? Il nous dit quoi? Ouais. C'est ça, je me suis trompé, je me suis trompé. Je vais vous montrer ce dont il s'agit. Alors, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il essaye de faire d'ailleurs. Et maintenant, tu dis on est 42 sur le live, dont 36 qui n'ont pas de main. Mais il n'y a pas de problème, hein. S'il y a des gens qui lurquent, bah, ils lurquent, il n'y a pas de souci. Vous êtes tout à fait. Vous êtes les bienvenus, lurkeurs comme non-lurkeurs. Moi, je vois le nombre de viewers et dans tous les cas, ça me fait super plaisir que vous soyez aussi nombreux. Merci beaucoup pour le follow, Grey Dark. Merci à toi, c'est très gentil. Alors, il y a des fois, franchement, les notifs là-haut, ouais, non, là-haut, les notifs là-haut, je les, quand j'ai la vue sur mon retour vidéo, elles sont pas super lisibles. Faudrait que je fasse quelque chose. Moi, j'ai la main sur leur cœur. C'est mignon. C'est mignon. Mais là, heureusement, j'avais le chat sous les yeux. Donc, j'ai pu voir le follow. L'occasion, d'ailleurs, de vous rappeler qu'il y a une chaîne YouTube, hein, associée cette chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, je vais vous donner en fait. Je vous donne l'adresse vers. Oups, d'ailleurs je me suis trompé, tiens. Faut pas que je le. Faut que je le supprime ce message. Hop, viens voir par là la modération. Je peux pas faire supprimer le message? Comment ça, je peux pas supprimer mes propres messages? Go home Twitch, you're drunk. Donc je vais vous mettre le bon lien, c'est-à-dire avec un T de moins. Voilà. Et donc vous allez retrouver en fait sur ce site tout simplement toute ma présence sur les réseaux sociaux.
c'est-à-dire bah, notamment cette chaîne Twitch, mais aussi ma chaîne YouTube, ainsi que bah, ma présence donc sur Mastodon, Twitter, Instagram, LinkedIn, et aussi à noter le serveur Discord de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le Discord de la chaîne et ça me fait super plaisir. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est de voir que ça commence à papoter sur le... sur les chans du serveur Discord, donc je suis très content. Alors, a priori, il a fait... Ouais, je sais pas quoi faire, donc tiens... donc, eh ben, on va faire Q pour quitter. Et comme en fait, là, on a la vue locale de la machine, et qu'heureusement que j'ai un clavier sous la main, et que le clavier doit être en américain, ça doit être ça. Voilà. Donc là... Oui, je veux quitter. Je veux quitter. De toute façon, tu vas redémarrer. Normalement, tu vas redémarrer sur une installation existante, hein, vu que t'as rien fait. Et donc, pendant que la petite machine redémarre, donc il y a du monde sur le serveur Discord. Ça commence à discuter. Ça me fait super plaisir de voir de la vie sur ce Discord. Donc, merci à toutes et à tous les derniers arrivés sur le Discord. Alors, Grey Dark. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Hello, tu me follow, car tu adores Linux, c'est bien. Et tu vas pas tarder à passer la certif Red Hat. Bon courage, bon courage. Et pour info, tu es pentester, red teaming. Ah, ça c'est cool, c'est cool. Ça fait partie des choses que j'aurais aimé savoir faire, être pentester. Bilouret, oui, Bilouret, d'ailleurs, je t'ai même pas salué, j'espère que tu vas bien. Il faut que tu papotes un peu plus sur Discord. Oh, c'est pas il faut, c'est si tu as envie. Je n'oblige personne. Mais tu es le bienvenu quand même. même si c'est pour regarder les messages des autres. Grey Dark, ouais, bon courage pour la sortie Red Hat. Alors, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas passé de certif Red Hat. Ça fait... Pentester. Magnifique. Magnifique Marion. Bravo. Manon, pardon. Je suis désolé. Bravo. Tu restes fidèle à Bic. Manon, merci. Merci d'être toujours aussi drôle. Ouais, les certifs Red Hat, alors je sais pas laquelle tu veux passer, parce qu'en fait, il y en a plein des certifs chez Red Hat. Personnellement, j'ai passé la RHCSA et la RHCE sur RHEL 6. Donc ça ne nous rajeunit pas, puisqu'on est maintenant à la 9. Je dirais pas que c'est une promenade de santé. Si tu te démerdes bien sous Linux et en bachotant un peu, en faisant bien les exercices, si tu as eu une formation avant de faire les examens, c'est faisable. Après, j'ai cru comprendre que depuis RHEL 7, ils avaient augmenté le niveau de l'examen. Je peux pas forcément parler plus de l'examen parce qu'en fait, on signe de toute façon un NDA. Lors du passage de l'examen, on n'a pas le droit de dire ce qui s'y passe, donc je n'en dirai pas plus, mais en tout cas c'est super, moi j'aime beaucoup en tout cas la manière dont Red Hat fait ses examens et ses formations, donc je te souhaite de t'en sortir, tu verras, c'est super, c'est une expérience à vivre pour moi, ça fait partie des expériences sympas. Donc, on revient sur notre machine de base, hein, et puis bah, je vais repasser sur le terminal, parce que c'est pas tout, mais voilà. Donc, l'erreur que j'ai faite, elle se situe ici, en fait. Là, je lui ai dit, au fait, n'efface rien. Donc, là, je lui dis, efface tout. Et tant qu'on y est, je vais me reconnecter à la machine... Et je voudrais juste m'assurer que le disque est bien SDA. Ouais, c'est bien SDA. Ok. De toute façon, il faut que je me reconnecte sur la machine. Hop, que je passe route. Voilà.
Et ensuite, on a toujours nos fichiers, notre script de réinstallation. Bon, normalement, le script de réinstallation, il ne change pas. Donc, eh ben, on n'a plus qu'à faire /réinstall.sh. Voilà, on va à nouveau perdre la main. Et puis, on va repartir tout de suite sur... Oups! Sur cette vue-là. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là... Hop! Et ça, je voudrais vraiment, vraiment le voir fonctionner. Alors, voilà, donc on redémarre à nouveau. C'est quand même... C'est, finalement, c'est peut-être pas bête que par défaut, quand... Non, remarque, je sais pas si c'est par défaut, si c'est pas à cause, c'est à cause du fait que j'ai... que je l'avais pas forcément refait le partitionnement depuis zéro, quand j'avais fait l'autre installation au début de stream. Mais remarque, c'est à la limite, si c'est par défaut, c'est... Perso, tu es plus GIMP tester, même si tu comprends rien à GIMP. Ah bah, il va falloir pratiquer, alors. Pratique GIMP, et puis tu t'en sortiras mieux, j'ai envie de dire. L'expérience, ça aide. Tiens, puisque on attend gentiment que l'installeur se déroule... Et en fait, bah, il est en train de se dérouler et toi les softs d'image, ça fait 32. Allez, déroule-toi l'installeur. Allez, affiche-nous Anaconda. Enfin, au moins le petit truc. Ah, si ça peut te rassurer, je suis pas plus doué que toi, hein, Nebed. Alors, voilà, donc. Alors. Donc là, il est en train de démarrer l'installeur. Voilà. Started automated install. Alors. Ah, bah, écoute, si déjà tu fais du montage vidéo, ouais, c'est pas mal. Your BIOS bus system needs a special partition to boot from... Mais non, mais il est pas en GPT. Mais il est pas en GPT, le disque, hein. Oh, mais alors, hein. Tu me casses les pieds, Salut à toi, Yoda. Mon BIOS doit être en UEFI, du coup, faut du GPT. Ben, le partitionnement que je cherche à appliquer, il l'a appliqué, j'ai envie de dire, il l'a appliqué hier, il l'a appliqué tout à l'heure. J'ose espérer que c'est plus un warning qu'un truc qui va lui empêcher de démarrer l'install. Sinon, Oh... J'ai presque envie de lui dire... J'ai presque envie de lui dire, vas-y, fais-moi le truc en mode full auto. Je m'en tamponne. Parce que le partitionnement, c'est pas le truc le plus... C'est pas le truc le plus sexy que je veux vous montrer, mais bon, de toute façon, vous avez vu le principe, hein, il démarre sur une installation. Hein. Un gentil troll. Qu'est-ce que j'ai loupé? Pas un testeur avec étiquette latine. Enfin, pas un testeur de stylo.
Bon, si c'est un gentil troll, ça va. Alors. Tu votes pour le test des stylos. Oh, c'est malin. C'est malin. Allez, juste pour un ethical troll. Tes mains sont occupées dans Wireshark pour paramétrer un Nginx en proxy et Corse plus Firewall. Plus Firewall WAP. WAP? Ça me dit rien du tout, WAP. Je connais WAF, mais WAP, ça me dit rien du tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un moyen de dire Fedora Kickstart Automated Partitioning? Allez, on va passer en mode comme ça. Voilà. Et je cherche dans la documentation. Juste pour lui dire, au fait, mets-moi ça en mode case validator, kickstart boot option. Pas forcément ça qui m'intéresse, ça c'est les boot options. Ouais. Je pense que je vais aller. Ah, kickstart syntax référence. Voilà. Allons-y. Partition, t'es où? Part. Logvol, c'est dans quel. C'est dans quel truc? Storage, autopart. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Créer automatiquement les partitions. Paf, paf, paf. Moins type, moins type. Sélectionner, nanana. LVM. Ça me plaît. Allez, c'est parti. Regardez ça ici. Juste au cas où. Et on lui dit donc. On lui dit autopart. Et on lui dit moins moins type. Et je lui dirai LVM, tiens. Et on peut faire un moins moins FS type. Ah, ça me plaît. XFS. Allez. J'ai mes petites habitudes. Et ensuite. Tac tac tac. Encrypted. Passphrase. Cipher. Nanana. C'est classe! C'est classe! Je pensais que le truc faisait vraiment genre un partitionnement par défaut. Et franchement, sur les disques avec assez de place, 50 gigas et il crée un home. Ouais, bon, écoute, tu crées un home, c'est pas dramatique. Hop, allez, on va repartir. Bah on va lui rebooter la machine hein, quand même. Parce que, en fait, si vous regardez là, elle attend. Moins moins, c'est pas plutôt pour le moins moins type égale plain. Bonne question. On va revenir, on va regarder ça à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Tiens d'ailleurs, je vais même vous filer le. Hop. Voilà. Alors, il dit quoi? Autopart. Moins moins type. Autopart option ne peut pas être utilisé avec le part partition red, ok. Sélectionne l'un des prédéfinis automatiques. Specify a file system to replace the default when doing automatic partitioning. Enfin, s'il fait du LVM, à un moment, de toute façon, il va devoir faire des... On va tester, hein, de toute façon, j'ai envie de dire. Ça se teste, hein, on est là pour ça. Je suis pas une réinstall près.
Bah, alors, Yoda, je dis pas que c'est toi qui as lu trop vite. Ça peut être moi. Ça peut être moi. Mais à la limite, y a, j'ai envie de dire, il y a une bonne façon de le savoir. Hein? C'est d'y aller, hein. Donc, on va revenir là. Je te dis ciao. Voilà, yes. Alors, je pourrais rebooter la machine comme un goré. Yoda te dirait, n'essaye pas, fais-le. Belle réponse, Manon. Bravo. Magnifique. J'adore. J'adore. Ah, je suis fan. Ah. Bon, faut dire ce qu'il y a, c'est quand même pratique d'avoir la machine à côté pour pouvoir faire échappe sur le clavier pour voir les menus pour voir le verbose. Remarque, j'aurais pu rajouter option de boot verbose. Hop. Bon, bah, de toute façon, tout est déjà là, hein. J'ai juste modifié le fichier Kickstart, donc hop, .slash réinstall.sh, voilà, c'est reparti. Et puis bah on va tout de suite repasser sur la. Ah bah de toute façon vous étiez sur la carte de capture. Donc vous avez rien vu, j'ai juste Firewall applicatif. Ouais, donc Chavenay, c'est un WAF, un Web Application Firewall. À ne pas confondre avec l'autre WAF qui est le Woman Acceptance Factor, qui est une terminologie un peu peut-être un peu passéiste, et j'aurais tendance à dire le Significant Other Acceptance Factor, le SOAF maintenant. Remarque, on pourrait aussi faire le FAF, le Family Acceptance Factor. Mais ouais, donc le WAF. Il y a des gens qui diraient, mais ce n'est pas un chien, c'est un logiciel. Visiblement, je suis pas aussi doué que Manon pour les blagues, hein. Va falloir que je prenne des cours. Manon, j'ai besoin d'une prof en blague. Tu donnes des cours de blagues? J'allais dire, ça se travaille. Non, pas de cours. Ah, oh, tu donnes pas de cours. Oh là là. Il faut demander des cours à Keltounet. Ah, je sais pas s'il est disponible. Je préfère WFH ou WFO. Alors salut déjà, Noayoub. Bienvenue sur le chat. Est-ce que je préfère donc WFH ou WFO? Je suppose que c'est Work From Home et Work From Office. C'est une excellente question. Je t'avoue que je pratique les deux en hybride. Je trouve que c'est un bon compromis. Je trouve que c'est un bon compromis quand c'est possible. J'ai eu fait un peu de total, j'ai envie de dire, de total remote. C'est pas mal aussi. Manon, magnifique, Manon. Si tu gagnais 1 € à chaque fois que tu me fais rire, je pense que tu serais millionnaire. Donc, difficile de te répondre. Noyoub, je pense que c'est. Enfin, j'avoue le, avoir le. Comment dire?
J'aime bien, dans l'absolu, j'aime bien l'ambiance qu'il peut y avoir dans un bureau. Après, effectivement, ça va dépendre aussi de l'environnement dans lequel on est pour travailler de chez soi. Il y a des gens qui ont un environnement confortable. Le mien l'est plus ou moins. Ah, il a pas dit d'erreur là. Il a pas dit d'erreur. Ah, ça c'est cool. Bon, alors là, forcément, vous voyez pas en bas. Je sais pas si je peux faire sauter l'overlay. Alors non, je peux faire. D'accord. Donc ce que je peux faire, c'est faire sauter. Je peux faire sauter. Si je fais sauter ça et que je fais sauter ensuite ça, voilà, vous avez tout. Bon, j'ai fait sauter l'overlay, mais c'est pas grave. Donc là, il est en train d'installer. Voilà. C'est ça, il faut avoir une pièce dédiée, plus ou moins, ou un environnement bien délimité, je dirais. Avoir la fibre et le matériel adapté. J'arrive à travailler d'ici, de chez moi, là. Mais par contre, il faut que j'évite les réunions. Très, très clairement, il faut que j'évite les réunions. Parce que ben, je suis pas tout seul chez moi et. Ah bah oui, j'imagine que enfin, voilà, travailler dans sa chambre, c'est pas évident. Donc voilà, là il est en train de télécharger. Il en est à 43%. C'est la fête. Et encore, je pense qu'en bas, y a encore des trucs qu'on ne voit pas pour une raison très simple. C'est que en fait j'ai entre guillemets j'ai étiré en fait dans OBS la capture, enfin en tout cas l'écran de la carte de capture, pour qu'on arrive à peu près à lire quelque chose. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais de fait, on n'a que le coin supérieur gauche de l'écran virtuel. J'aurais pu. Enfin, il faudrait que je. Bon, en même temps, déjà, j'ai une carte de capture, c'est pas mal, je vais pas me plaindre. Sans la carte de capture, je sais pas trop comment j'aurais fait pour vous montrer tout ça. Ah, si, j'aurais pu rajouter l'option SSH. Je crois qu'il y a moyen. En SSH ou en VNC, il y a moyen de faire de l'installation automatisée aussi. Je suis pas sûr de moi, hein. Tu as eu au téléphone des collègues avec des gamins qui criaient dans le fond. Tu ne comprends pas comment ils pouvaient se concentrer. Ah oui. Alors ça, oui, les enfants, c'est. Ça peut potentiellement être. Ça peut potentiellement être assez. Assez difficile. J'ai. Non, franchement, j'ai eu l'occasion, bah tiens, dans le genre anecdote aussi. J'ai eu l'occasion de donner des cours à distance pendant l'un des confinements. Quand j'ai commencé en fait à donner des cours, notamment le cours serveur Linux que vous avez pu voir et qui est disponible en replay sur YouTube, la première version de ce cours, alors qui ressemblait, qui était absolument pas de, qui était vraiment un cran en dessous niveau qualité à l'époque, je l'ai donné en, comment dire, en Bah, je l'ai donné en conf, enfin en visioconférence. Et c'est vrai que bah, c'est pas évident quand les étudiants disent bah non, moi je mets pas la webcam parce que j'ai pas, comment dire, sur la 4G ça va trop tirer, sur la 4G ou sur autre chose, hein, ça peut être de la DSL aussi, ça peut être pas mal de choses comme ça. Ou quand ils te disent, ah bah non, je peux pas maniper. Si je lance une installation de Linux en machine virtuelle sur mon poste, ça va mettre 2 heures. C'est ça, il y a des. Donc l'installeur a créé une partition BIOS boot. Bizarre qu'ils mettent la table de partition en GPT. Honnêtement, je pense que c'est un truc qu'il va falloir que je creuse ou grognose, pour être honnête. Je suspecte qu'il y a eu des choses qui ont changé.
J'aurais peut-être pu aussi désactiver complètement le boot sur UEFI. Peut-être que l'installateur de Fedora le détecte. Mais oui, complètement, il y a des métiers qui s'y prêtent au télétravail et des métiers qui s'y prêtent pas. Mais oui, je me rappelle de cette période où j'ai dû faire les cours à distance et où c'est pas évident d'un point de vue infrastructure par moment. Alors, Ougronews, je sais pas depuis combien de temps tu suis le live, mais en fait, on a eu une blague. On a eu une blague, il s'est plaint qu'il s'installait en GPT et qu'il voulait une partition BIOS boot parce que j'allais démarrer en BIOS, en MBR. Donc là, j'ai fini par lui dire, non mais vas-y, allez, full auto, fais ta vie. Moi je m'en fous, tu t'installes. Tu me fais ça. Tu me l'as fait comme tu sens, tant que ça marche, moi je m'en tape. Nebet qui dit mécano en télétravail, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, effectivement. Pour la visio, faut une machine qui va bien. Mon MacBook Pro est une soufflerie en visio, c'est épouvantable. Ah, je compatis, Chavenet. Alors, Manon, je suis prêt à parier qu'il est encore en Intel. Ton Intel aussi souffle. Ouais, bah c'est bien pour ça que Apple a décidé de faire ses propres processeurs. Hein. Bah voilà. Intel. C'est compliqué la visio avec mon 486. Ah oui, effectivement, c'est compliqué. Là là. C'est pas mal ça, tiens. Essayez de faire de la visio avec un 486. Déjà, va réussir à installer un logiciel de visio sur un 486. Un logiciel de visio d'aujourd'hui. Hein. Parce que déjà, un 486, tu vas peut-être pouvoir rajouter des ports USB sur une carte ISA, mais ça va être de l'USB 1. Donc, si tu branches une webcam, déjà, tu vas être limité sur les possibilités de la webcam si elle s'allume. Et ensuite, il va falloir gérer le débit. Alors, tu me diras si c'est une webcam en USB 1, bon. Manon, tu avais codé un logiciel de chat entre une TI 89 et TI 92. Arrêtez de vous plaindre. Oh, pas mal! Oh, mais franchement, bel exploit. Si jamais tu as le code qui est quelque part, n'hésite pas à le poster, hein. Tu as vu. Ah oui, même en full auto, il crée une table GPT et donc une partition BIOS boot pour installer le stage 2 de grade. Bon. Écoute, à la limite, le principe, c'est juste que de voir que ça marche, en fait. C'est, voilà, j'ai... Mais t'as pas gardé le code, Manon? T'as pas gardé le code sur un fichier, quelque part? Mais oui, pour ce qui est du partitionnement, ou Grognos, à la limite, c'est juste, comment dire, c'est annexe. C'est annexe, là, j'ai en fait une installation qui est juste customisée. Il y a 2-3 packages en plus. On va juste voir qu'il y aura les packages en plus parce que c'était dans le Kickstart en fait. C'était dans 2004, tu as perdu le code dans des crashs disques durs. Ah, je compatis. Ah, la perte de données, c'est un truc, ça me fait toujours peur. Mais, oula. Alors, on a un nouveau follow avec un test machin, machin, machin. Alors, cher nouveau follower, merci. J'espère que tu es humain. Dans le doute, cœur avec les doigts. Et un autre follow. Ah. Ah. Alpha 170 NT, merci. Salut à toi. J'ai eu peur l'espace d'un instant. J'ai vu deux follows arriver très vite. Je me suis dit, tiens, on se refait bombarder de follow. Tu as quand même fait tourner un Linux récent sur un Athlon 700 MHz. Ah, pas mal. Pas mal. Un Linux récent, de toute façon, Debian est encore dispo pour i386. Hein, c'est l'une des,
des quelques distribs qui proposent encore du 32 bits. Il y a ça, il y a Alpine Linux aussi. J'ai jamais essayé les Alpha. J'ai du PowerPC G4 ici, alors pas forcément très très fonctionnel. Du G4 à 1 Go de 33, si je me rappelle bien. Mais tu n'es pas un robot? Ah bon, ouf, ça me rassure. Bah bienvenue. Bienvenue à toi et à Alpha 170. J'espère que vous allez bien. Oui, tout à fait, Manon. Le e-book G4 2005, de 2005. Le 12 pouces même. Une petite merveille, cette machine. Ah, d'ailleurs, j'ai une sacrée histoire à vous raconter. Oui, c'est ça, le dernier avant les Intel. Et Kemel Yalisk, un jeu de vive Debian. Mon cours serveur Linux est sous Debian, d'ailleurs. Enfin, Debian slash Ubuntu, je dirais. Bon, il en est où, lui, là? Ah, t'avais eu celui d'avant. Ok. Moi, j'ai été très content de cette machine. D'ailleurs, j'ai quelques histoires à vous raconter, d'ailleurs, à propos de ce modèle de machine. Il se trouve que j'ai eu cet e-book G4 durant ma dernière année d'études. Et je l'ai ensuite filé à mes parents qui s'en servaient en fait pour décharger les photos de leurs appareils photo numériques. Mes parents... ça y est, installing bootloader. Cool. Et en fait, un beau jour, ils se sont fait voler le laptop. Alors, ils se sont fait voler à l'étranger. Donc, je sais que je reverrai jamais la machine. Hein. Elle leur a été volée, je crois, en 2013 ou en 2012. Donc, bon, depuis le temps, j'ai... je ne vais pas dire que j'ai fait mon deuil. Hein. Je suis toujours un peu triste d'avoir, entre guillemets, perdu cette machine. Mais j'ai fini par en récupérer une, enfin même deux pour être exact. Un ami m'a entre guillemets filé son e-book G4 de exactement la même génération, la même machine littéralement. Et il y a juste un défaut sur cette machine, c'est qu'en fait lorsqu'il l'a redémontée pour la dernière fois, il a malencontreusement cassé le connecteur du bouton d'alimentation au démontage. Donc a priori, il y a juste à souder le connecteur sur la carte mère et la machine repart tranquille, quoi. Faudrait que je le fasse un jour, mais pour être honnête avec vous, je n'en ai pour l'instant pas le courage. Et donc j'en ai un deuxième aussi, j'en ai récupéré un deuxième de G4 de la même époque, identique. Et je l'ai récupéré sur dans un vide-grenier. Genre un marché, un marché opus, quoi. Un vide-grenier. Et en fait, je suspecte que cette machine a été volée. Donc j'ai tenté par un premier moyen de contacter la personne à qui la machine semble avoir appartenu. J'ai envoyé un mail, en fait, parce que le mail était dans les données sur la machine. J'ai aussi un numéro de téléphone. Et je pense que j'espère, sans vouloir être un... j'espère que ce sera pas trop problématique si j'envoie un SMS en disant « Coucou, j'ai une vieille machine qui semble vous avoir appartenu. Si elle a été volée, je suis tout disposé à vous la rendre. » Ou au moins à vous rendre les données, si vous le souhaitez. Mais voilà, j'ai un e-book G4 qui est en parfait état de marche, hein, à part ça. La machine, du peu que je l'ai vaguement allumée, juste le temps de recharger la batterie. Et la machine fonctionne parfaitement, elle est dans son jus de 2006. Ça fait bizarre. Mais voilà. Alors, et Manon, toi... Ah, elle a cramé la machine et tu l'as revendue pour pièces détachées. Ok. Alors, Ougrognos, d'après la doc, il faut mettre dans le Kickstart 0 MBR pour effacer pas juste les partitions, mais aussi la table en elle-même. MBR ou UEFI. Alors, si je regarde le fichier Kickstarter... Ah oui, tiens, j'ai pas mis 0 MBR, effectivement. Bien vu. Bien vu. Alors, pour être honnête, Ougrognos, je me suis basé sur le Kickstarter existant. Après, je sais que j'ai mes fichiers Kickstarter, entre guillemets, habituels, qui traînent quelque part.
j'aurais pu les récupérer et tenter une installation vraiment custom, mais je me suis dit que j'allais pas me lancer dans dans ce genre de choses-là. Par contre, je crois que j'ai loupé. Alors, Nebet, tu as un PowerPC BG4 avec les overdrive qui poussent la machine à 1,6 Go. Du coup, un Power Mac. Hein. C'est une belle machine en tout cas. Et un mec a essayé de te vendre un PC volé. Bah écoute, moi il a réussi. Il a réussi. Bon, après, je l'ai pas payé très cher, pour être honnête. Mais j'ai été très bête. J'ai été très bête. Honnêtement, je me dis, bon, pour le prix, à la limite, si je recontacte ce que je pensais être la propriétaire de la machine et qu'elle me dit oui, on me l'a volée, c'est chouette que vous me la rameniez après tant d'années, moi je trouve que ça fait une belle histoire. Tiens, je vais vérifier quand même si j'ai pas 0 MBR dans mes Kickstart habituels. Je crois que je l'ai, mais dans le doute. Alors, voyons voir ça pendant que ça termine d'installer. Alors, par mail, non, je n'ai pas eu de réponse, mais il se peut très bien que l'adresse mail ne soit plus valide en fait. Servez 3W, voilà. Ouais, c'est ça, j'ai bien les 0 MBR dans les trucs. Remarquez, je vais jeter un œil entre guillemets en direct. Alors, je n'ai pas envoyé de SMS, Manon, je ne l'ai pas encore fait. J'ose pas, parce que j'ai peur que. Parce que franchement, j'ai peur d'être. Enfin, j'ai peur que la personne en question me prenne pour un arnaqueur. Alors, non, la personne n'avait pas 60 ans. Alors, honnêtement, Camille Iris, moi, le but, c'est pas de la revendre. C'est de la rendre, tout simplement. Hein. Moi, je vous rends la machine. Hein. Je suis. Après, j'aurais très bien pu ne rien en avoir à faire et effacer le disque. Hein. Mais je me dis que ça pourrait, voilà, ça pourrait être. Je voulais jeter un œil. D'abord, hop là. Alors. Attends, j'ai peut-être loupé un. Je passe par une déposition avant tout contact. Une déposition de quoi? Genre, je vais au commissariat et je dis au fait, j'ai une machine et je suspecte qu'elle a été volée. D'accord. Ok, bah je le ferai dans ce cas-là. Je le ferai à l'occasion. Il faudra juste que je prenne le temps de le faire. Alors. Une main courante. Oh, les flics vont me rire au nez. Les flics vont me rire au nez, ils vont me dire non mais une machine de 2000, de 2005 en plus. Ah oui, remarque, si le vol a été déclaré, effectivement. Si le vol a été déclaré, c'est pas bête. Bon, en tout cas, sachez que je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. Bah j'irai me présenter au commissariat dans ce cas-là, ou au poste de police, pour montrer ma bonne foi, effectivement. Ok. Bah je suis. C'est bon à savoir. Alors, dans les messages que j'ai. Que j'ai pas adressé. Test qui nous dit, j'aime bien ton éléphant PHP, tu l'as trouvé où sans être indiscret? Alors, je l'ai sauvé de la poubelle. Je l'ai sauvé de la poubelle. En fait, dans un ancien job, il y avait des gens qui avaient ramené comment dire, des goodies de différents salons. Comment dire? C'était avant que j'arrive, hein, donc j'avais pas vu les gens les ramener. Et en fait, à un moment, il a fallu déménager de bureau. Et il y a eu pas mal de choses
qui ont fini sur un tas en mode ça va finir à la poubelle. Et j'ai récupéré donc 7 éléphants PHP ainsi que 2 autres éléphants PHP un peu plus petits. Voilà. D'après ce que j'ai compris, test, ça se collectionne ce genre d'éléphants PHP. Il y a tout un site qui est dédié à leur. Comment dire, à ces éléphants-là. Tu peux chercher justement les éléphants en écrivant PHP à la place du F dans le mot éléphant et tu vas tomber sur la page. Et en fait, c'est des éléphants qui sont créés et vendus. Alors, je crois que l'association francophone des utilisateurs de PHP, l'AFUP, en vend de différentes éditions. Et tu as normalement à chaque événement comme ça, des salons ou des événements PHP, des événements liés au langage PHP, les sponsors de l'événement vont généralement faire une peluche. Une peluche PHP, hein, donc un petit éléphant en peluche, comment dire, pour l'événement. J'avoue, il est assez rare parce qu'en fait, c'est ce qu'ils appellent un jumbo, donc c'est les gros, en fait. Donc, je me suis dit, quand j'avais vu l'éléphant sur le tas à partir à la poubelle, je me suis dit, c'est quand même dommage, il est rare. Et c'est adorable à avoir. Moi, je trouve ça sympa d'avoir une peluche énorme comme ça. En plus, un éléphant PHP. Je trouve ça amusant. Donc, Manon qui rajoutait, au pire, mieux vaut avoir l'air un peu idéaliste devant un flic que passer pour un reseller devant un juge. Oui, effectivement. 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 Bien, bien, bien. Il en est où, lui, là, le truc, là? Je vais peut-être remettre la taille classique. Parce que si ça se trouve, il est peut-être en train d'attendre gentiment que j'appuie sur Entrée. Ou... Parce que je suis en train de me dire, est-ce qu'il y avait un truc... Ah, j'avais pas mis le reboot. Donc, si ça se trouve, ouais, il attend que je... Il attend que je lui file le truc là. Alors, je vais remettre l'overlay et je vais changer de comment dire, de vue. Donc, si jamais il n'y a plus de musique ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Alors, on va remettre ça. On va remettre ça. Non, pas ça. On va remettre ça. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je repasse. Hop, et donc je l'ai vu, le press enter to quit. Donc c'est que j'avais encore laissé passer. Ouais, j'avais pas mis l'option reboot du kickstart. Ah, il a bipé, tout va bien. Bon, de fait, ça va être un petit peu plus petit maintenant. Un petit peu plus petit. Pas de beaucoup non plus. J'en profite pour jeter un œil. J'en profitais pour jeter un œil sur le site de l'AFUP, puisque l'AFUP a sa propre boutique, qui est une boutique qui est pas directement sur leur site, mais ils vendent pas de. Ils vendent pas de peluches. A priori, leur les peluches qu'ils avaient ont été... hop, je vais repasser en bureau comme ça.
Nebed. Ah, il y a un souci avec le live. Éléphant exclusif, condition exclusive. Ah oui, une peluche par jour et par personne. Bah, ah, Symphonie en a pour eux aussi. Mais en tout cas, la FUP en a fait. Mais voilà, c'était 25 € à l'époque. Peut-être la fondation PHP. Je pense que elles sont faites par les différents organisateurs sur les salons PHP. Et généralement, c'est exclusif au salon ou à l'événement. Puisque là, a priori, cet éléphant-là, il date de 2017, pardon. Ah oui, le truc, faut que ça merde. Oui, d'accord, ok. Oui, non, donc c'est pas que toi. Non, effectivement, il y a toujours des soucis. Ça marche jamais du premier coup. Donc en fait, faut que je rajoute, genre, peut-être ici, je rajoute reboot. Et à la fin de l'installation, le truc reboot tout seul. Donc, et bah d'ailleurs, on va pouvoir aller se connecter. Comme tout à l'heure, bien entendu. Hop, kitgen, -r, hop, voilà. Le mot de passe est le même. On va faire un petit uname, -a, donc on a à nouveau un kernel mis à jour. Il y a même eu des events, Yoda, il y a même eu des events où il était arc-en-ciel, et il y a eu une fois où il était, je crois, argenté, argent brillant, pas juste gris, quoi. J'aurais dû dire couleur à lui. Est-ce qu'on a rpm-q rsync? On a rsync. Est-ce qu'on a lsof? On a lsof. Est-ce qu'on a htop? On a htop. Et le mot de passe route est bon. Maintenant, si je suis un petit df-h, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il m'a bien... parce que j'avais mis vg0 sur l'install d'avant. Donc là, il m'a fait un devmapper Fedora. J'ai un SDA2, donc il m'a créé effectivement un SDA1 qu'on doit pas voir, qui doit être le truc de... la petite partition de boot. Maintenant, si je fais un petit fdisk-l... On devrait le voir, non? C'est ça, voilà. Une partition de 1 méga qui s'appelle BIOS Boot. Donc, on est bien, en fait. On est bien. Bon, je vous avoue, ça aura pris quand même 2 heures juste pour ça. Salut à toi, Iso. Je sais pas combien de X. Bienvenue, d'ailleurs, sur la chaîne, puisque c'est la première fois que tu nous causes. Mon clavier, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai un clavier mécanique en 60%. Hop, je suis là. Et c'est un AN Pro 2. Donc en mapping US. Et normalement, je crois que c'est du Cherry Red dessus. Et oui, du coup, il est en RGB. La blague, c'est que le RGB, à la base, j'aime pas ça. Sauf sur le clavier. Il n'est pas orange, le mécanique. Bravo, bravo, Manon. Merci, Manon. Ouais, je l'aime bien, il est pas mal, il est agréable au toucher, il est... Un disque label type GPT, ok. J'aurais aimé le forcer en BIOS, mais bon. En fait... J'ai plus l'habitude ou je n'ai plus l'habitude? Et de quoi d'ailleurs? Donc, on est sur... voilà. Il m'a fait quoi? Il m'a fait... il m'a fait un home finalement. Il m'a fait un home de 20 gigs. Hein. Bon, j'en avais pas besoin, mais il m'a fait un home de 20 gigs. Il m'a fait un slash à 40. Et donc le slash boot qui fait un petit peu moins d'un G. Ok.
ce que je vais vous proposer. Ah non, j'avais plus l'habitude de tes blagues. Oui, effectivement, t'étais moins présente. Mais ça me fait plaisir de te retrouver, hein, Manon, que les choses soient très claires. Moi, honnêtement, quand tu arrives, que tu suis, que tu racontes des blagues, moi, ça me fait super plaisir. Les autres aussi, mais tes blagues, ça fait partie quelque part du paysage de mes streams, et je trouve ça chouette. Je vais pas forcément me lancer dans un autre truc, parce que je voudrais aller plus loin. Ah oui, c'est vrai que oui, bah donc finalement t'as pu prendre ton bus, Manon. C'est cool ça si t'as pu prendre ton bus. Bah écoute, rentre bien, Manon. Rentre bien. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse un épisode 3, parce qu'il y a un truc que je voudrais vous montrer, un truc que je voudrais essayer, sur lequel j'ai pas forcément eu. Je suis pas sûr que j'avais essayé, mais. On a vu qu'il était possible de réinstaller. Tiens, d'ailleurs, je vais me mettre en. Hop, comme ça. On a vu qu'il était possible de réinstaller donc à distance une machine sans avoir à aller utiliser des outils de type carte d'administration à distance, out of band, type IDRAC ou HP ILO. Et donc, on arrive avec KExec à même redémarrer la machine comme ça d'un coup et à la faire redémarrer sur un noyau d'installation auquel on peut passer des options, notamment un fichier d'automatisation d'installation. Et ça, c'est super chouette. Sauf que là, ce fichier d'installation d'automatisation, il nécessite d'être présent sur un emplacement à distance. En tout cas, dans l'exemple qu'on a vu ce soir. Ce que j'aimerais vous proposer pour le prochain stream sur ce sujet, c'est que on le fasse en embarquant le fichier d'automatisation Kickstart, en l'embarquant à l'intérieur de l'initramfs d'installation, de façon à ce que en gros on donne le noyau, on donne l'initram, on leur donne quelques options, notamment le fichier d'automatisation. Et pouf, ça se réinstalle. Oups, reviens par là, toi. J'ai failli emmener le micro avec moi. Donc, de façon à ce que ça se réinstalle sans avoir besoin de se connecter à un truc pour récupérer le fichier Kickstart, je pense que ce serait assez classe. Puisque c'est un peu l'objectif, c'est de ne pas avoir besoin d'un serveur tiers en dehors des dépôts, bien entendu. Ça, c'est le premier truc que j'aimerais faire. Il y a un deuxième truc que j'aimerais faire aussi. Vous avez vu que j'utilise un petit script.sh que j'envoie sur la machine, que je mets dans /boot. Je voudrais ensuite, pourquoi pas, si ça vous intéresse, essayer d'améliorer ça aussi. Soit je fais un script qui se lance depuis ma machine et qui envoie les trucs, soit pourquoi pas, mais je pense que ça fera peut-être beaucoup en termes de développement, pourquoi pas essayer de paramétrer ça à grands coups d'Ansible. D'avoir un petit playbook Ansible qui dit bah tiens, tu vas récupérer l'init et le noyau d'installation directement sur les repos chez Fedora. Et tu rajoutes le fichier Kickstart qu'on peut éventuellement mettre dans une variable, un truc comme ça. De façon à ce que ça se fasse. Alors, Isox, pour me présenter, je dev depuis 5-6 ans et depuis 2 ans, je m'intéresse beaucoup à du 6 et réseau. Et ça me plaît de plus en plus. Ah bah c'est cool. En plus, si tu développes, tu vas pouvoir acquérir, je pense, des compétences qui te feront pouvoir faire pas mal de choses, d'être sur les deux plans à la fois, ça va être très 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 chouette pour toi. Belle présentation. on va en rester là donc pour ce soir, pour notre live. D'habitude, donc, je stream les jeudis et les dimanches. Les jeudis, je stream de 20h à 22h. Et les dimanches, je stream habituellement de 18h à 20h. Bon, j'ai dépassé un petit peu parce que j'ai démarré en retard
parce que j'ai eu un petit souci de verre à moitié plein qui a fini sur le bureau. Il a fallu que je sèche. Si jamais... alors, par contre, la semaine qui va venir, ça va être assez chaotique. Donc, je ne vous garantis en aucun cas les streams de la semaine à venir. Le jeudi, c'est pas garanti. Le dimanche, à coup sûr, il va sauter. Ceci étant, habituellement, quand je stream les jeudis et les dimanches... Faut pas raid Nebed, il big là. Ouais, ça va, j'ai compris. Je te raid plus, Nebed. Puisque c'est comme ça. Le jeudi, on fait pas la même chose que les dimanches. Hein. Il y a deux... j'ai entre guillemets deux projets comme ça. Qui tourne. Le projet du jeudi, en fait, c'est d'automatiser l'installation de différents services sur un VPS. En gros, l'idée, c'est vous prenez un tout petit VPS chez un cloud provider, voire même vous profitez des offres gratuites de certains cloud providers, et pour pouvoir avoir plusieurs services de façon un peu isolée, eh ben, on fait joujou avec des conteneurs et on essaye d'installer ça de façon automatisée avec Ansible. Donc ça, c'est le projet du jeudi. Et en ce moment, bah, le projet du dimanche, c'est celui que vous venez de voir, où on essaye de réinstaller de façon aussi toujours un peu automatisée une machine à distance sans se servir d'outils de type carte d'administration à distance, out of band. Comme je vous avais dit tout à l'heure pendant le stream, si jamais vous voulez voir les replays de ces vidéos-là, elles sont dispo pendant 2 semaines sur Twitch. Et quand j'ai le temps de faire du montage, ou que j'ai le temps de demander à quelqu'un qui m'est très cher de le faire pour moi, et que je remercie encore à chaque fois, c'est donc Studio Cyanotype. Les vidéos mettent un moment à venir, mais au bout d'un moment elles viennent, et elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Entre deux streams, on peut aussi discuter ensemble, tout simplement sur ma présence sur les réseaux sociaux. Donc vous avez le serveur Discord, vous avez aussi les autres réseaux sociaux comme Mastodon, Twitter, Instagram, où je suis généralement @ahp_nils, le AHP étant pour Another Homepage. Voilou, je crois qu'on a fait le tour. La question que je me pose, c'est qui on aurait à raider ce soir. Eh ben, on a Adrien de LinuxTrix qui continue à nous faire tous les dimanches ces mix. Donc on va aller lui rendre une petite visite. J'espère que vous passerez une... Alors Yorzian, non, il n'est pas encore l'heure pour Yorzian. Il commence à 21h, mais oui, je vais même vous faire un shootout à Yorzian, tiens. / shootout, hop, à Yorzian. Comme ça, vous pourrez aller le voir ce soir à 21h. Hop. Donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou de ma part. Et donc on va aller... ça sert à quoi? De quoi? De faire un shootout? Ça permet d'encourager... Voilà, c'est un lien vers sa chaîne. Ça fait tout de suite un lien vers sa chaîne. Et tu peux le follow en un clic. Bon alors toi Manon, tu connais déjà Yorzian. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, et ben comme ça, ils peuvent découvrir. Allez. Les habitués connaissent la chanson, mais vu qu'il y a quelques nouveaux ce soir, je vais mettre la page de fin de stream, mais restez pour le raid. Généralement, ça soutient non seulement le raidé, mais aussi le raider. Voili, voilou. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de week-end, et bon début de semaine. On se donne rendez-vous, je l'espère, dans 10 jours, peut-être même un peu avant. Voilà, ciao, ciao !